Bonjour, bonjour, c'est Nicolas, opticien diplômé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cache que les enfants, pas du pansement, hein, mais vraiment que les enfants peuvent avoir sur les yeux. Pourquoi on met un cache? Alors déjà, faut comprendre un petit peu le fonctionnement de l'œil. L'œil ne se développe, hein, n'est pas mature à la naissance, et il se développe jusque l'âge de 6 ans environ, pour atteindre les 10 dixièmes vers les 6 ans. Et l'œil ne se développe que parce qu'il est sollicité. C'est-à-dire, même si ce n'est pas un muscle, c'est un peu comme un muscle. Si vous ne servez jamais d'un muscle de votre bras, et ben le muscle sera nettement moins gros, un petit peu à l'image des joueurs de tennis, vous voyez, qui ont un bras qui est plus gros que l'autre. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. La lumière et tout l'environnement font que l'œil se développe. Sauf que de temps en temps, un œil ne se développe pas. Donc, on pénalise le bon œil. On le cache, ce bon œil, de manière à forcer à l'œil le plus mauvais de se développer, à se développer. C'est tout simple. Il peut y avoir différents types de caches. Le cache vraiment obturateur où on ne voit rien à travers et des caches qui peuvent laisser passer une certaine partie de la lumière et des informations. Donc ça, c'est vraiment votre ophtalmologiste ou votre orthoptiste qui vous le prescriront, mais c'est vraiment important de suivre à la lettre ce type de choses, puisque un œil qui ne travaille pas peut devenir ce qu'on appelle amblyope, et même se dire, bah, le cerveau peut très bien dire, ouais, cet œil-là, on ne l'utilise jamais, bah, je ne le fais pas travailler du tout, et il se peut qu'il se mette ouf, un petit peu dans un coin, donc ça serait dommage. Surtout qu'en plus, la vision en relief, hein, on a vraiment une vision en relief uniquement parce que les deux yeux voient à cause de cette différence d'angle que l'on a. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez aborder, ben, écoutez, laissez-moi un commentaire, aimez et tout ce que vous voulez. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.